bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a un thème particulier, à savoir, enfin, 4 ans après, la sortie de mon oracle, enfin, je devrais dire de notre oracle, car je suis accompagnée dans cette vidéo de Gabrielle Leroy, dont je vous parle relativement souvent, dont vous appréciez beaucoup les visuels d'ailleurs que vous retrouvez sur la boutique Aquilonia, et c'est avec lui que j'ai fait cet oracle, c'est lui qui a accepté de bien vouloir me rejoindre dans cette aventure qu'est l'oracle L'Absolu. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qu'est cet oracle, je vais vous présenter les cartes, nous aurons également un avis de profane car Gabrielle n'est pas du tout dans cet univers. Et pour commencer, je me suis dit que j'allais tout simplement vous lire l'introduction que j'ai écrite pour le livre qui va avec l'oracle. Alors, pour vous présenter la chose, attention, attention, voici le livret. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas qu'un petit livret dans un boîtier qui ne va pas vous mener bien loin. Non, c'est carrément en fait un livre qui contient toutes les descriptions, les méthodes de tirage, les interprétations possibles, enfin, on verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Et il est accompagné du jeu L'Absolu, l'oracle, qui est dans sa pochette en velours noir avec un papillon morpho bleu, car comme vous le savez, le morpho bleu est notre symbole, à tous deux, notre symbole de poète. Et il faut quand même dire les choses, c'est que ce morpho bleu, il aura été repassé. Oui. 500 fois. 500 fois, c'est quelque chose. Voilà, on a repassé nous-mêmes les morphos bleus sur cette pochette en tissu. Voilà, parce que la première édition est sortie donc à 500 exemplaires, uniquement 500. Il y a une autre impression de prévu, mais nous avons voulu faire 500 exemplaires pour pouvoir numéroter les livrets. Donc, c'est-à-dire que les 500 premiers exemplaires seront collector. Tout simplement, vous aurez à l'intérieur le numéro de votre livret. Nous avons repassé les papillons, donc 500 papillons sur 500 pochettes et nous avons numéroté 500 livrets. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a toujours cet aspect artisanal dans cet oracle, et Gabrielle a bien voulu également suivre avec moi cet aspect artisanal qui, hein, c'est pas évident non plus, ça demande beaucoup de temps. Oui, c'est pas moi qui ai eu l'idée du papillon. Voilà. Tout de suite, il a fallu rajouter la petite touche poétique, la petite touche artisanale particulière, typique de notre ange de Gaïa. Et c'est comme ça qu'on a fait chauffer le fer à repasser. Ah oui, on a des crampes. Voilà, donc pour commencer, je pense que ce qui serait bien, effectivement, c'est de vous lire tout simplement l'introduction. Ça vous évitera d'être perdu dans mes mille et une idées que j'aurais envie d'exposer dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Cet oracle, donc, ce n'est pas qu'un jeu de divination parmi tant d'autres. Il est le fruit d'une très longue réflexion sur l'accessibilité des jeux divinatoires en général, dans lesquels je trouvais que les méthodes de tirage proposées étaient absentes ou données à la va-vite, que les cartes manquaient d'indications, de symbolisme, de profondeur. Sans parler des minces notices multilingues avec lesquelles on ne fait quasiment rien. Alors, il faut acheter un livre si on veut aller plus loin, s'il existe d'ailleurs. N'ayant donc pas voulu faire les choses à moitié, désireuse de proposer à chacun ce que je souhaitais recevoir d'un jeu divinatoire, après mes nombreuses années d'expérience, notamment en qualité de cartomancienne, j'ai décidé d'offrir tout simplement, selon moi, le jeu idéal. Poétesse, j'ai demandé à un artiste et poète de talent si cette aventure le tenterait. C'est ainsi que Gabrielle Leroy a illustré toutes les cartes et participé à la création du jeu. Et je fais donc une parenthèse, car la plupart du temps, l'illustrateur, on en entend quasiment parler, il y a juste son nom sur la boîte, sur le livret, et puis c'est tout. Tandis que là, vraiment, Gabrielle... Je
me suis impliqué. C'est donné à fond. Dans le projet, un petit voilà. peu à tous les niveaux. Voilà, avec beaucoup de stress. Oui. Et d'impatience. Oh, surtout. Et d'angoisse. Oh oui. Voilà. Parce que, voilà, d'ailleurs, je le remercie, il m'a beaucoup, beaucoup poussée, car comme vous le savez, j'ai très peu de temps, je suis sur plusieurs projets et... Donc, c'est plus... Au début, c'est toi qui poussais. Après, c'est... Et après, c'est lui, parce qu'il a fallu écrire le livre. J'ai pris le relais, mais... Voilà. Donc, profane, débutant, son avis sur la construction du jeu m'a été plus que précieuse, car je souhaitais que les débutants puissent y trouver un jeu clair, facile à interpréter, accessible et beau. Également, il m'était nécessaire de créer un jeu capable de fournir une multitude de détails et de possibilités d'interprétation pour les plus expérimentés. Cet oracle est donc né de nos deux âmes. Il a baigné dans la patience, ses couleurs sont celles des mondes oniriques dans lesquels nous évoluons lors de nos écrits en commun. Nous y avons mis toute notre profondeur et tout notre amour, et c'est ainsi que vous tenez entre les mains, après 4 années d'un long travail, acharné mais amoureux, ce fabuleux oracle qu'est l'absolu. Ne pratiquant plus la voyance, désireuse de laisser à chacun son libre arbitre sans la moindre empreinte de mon influence, c'est la guidance que je trouve le plus adaptée au cheminement spirituel. Toutefois, il n'y a qu'un mince voile entre la guidance et la voyance. L'une conseille, l'autre affirme. Dans ce jeu, vous trouverez donc la possibilité de créer une voyance, une guidance, un conseil et même la possibilité de converser avec l'univers. Support de réflexion, de probabilité, le jeu divinatoire n'est en rien une assurance pour l'avenir, mais un compagnon de route capable de nous prévenir du chemin qui se profile en fonction de nos actes présents. Si l'on garde cela en tête, sans s'influencer soi-même, alors il est un ami fidèle sur lequel on pourra toujours compter. Tout à fait. Et je dois dire que moi, étant vraiment en dehors du milieu à la base, en me plongeant dans cette aventure, j'ai vraiment découvert ce qu'était le tirage des cartes d'un oracle. Je n'avais jamais fait ça avant. Jamais. Et, On peut préciser que tu es gamer. Oh, aussi. Ouais, entre autres, mais bon, c'est pas... Joueur de cartes Magic. Oh, mon Dieu. Donc que tu je baignais... Je préfère laisser ça derrière moi. Mais que tu baignais quand même dans les cartes à jouer. Mais j'ai non. Le plaisir de l'objet carte. Voilà. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Ce qu'on retrouve beaucoup dans cet oracle. J'aime la beauté des cartes et de pouvoir matérialiser, toucher une image et pouvoir la manipuler et la faire passer avec d'autres images. Je trouve que c'est vivant, un jeu de cartes, c'est vivant. Et donc, en découvrant aussi le sens de l'oracle, son utilité, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un langage dans cette lecture, cette interprétation des tirages, et j'ai trouvé ça vraiment... c'était révélateur pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à cette magie qu'il peut y avoir entre les cartes et la personne, et à ce langage vraiment des images, des significations, etc. Et donc franchement, j'ai découvert ça avec un grand plaisir. Tu as fait connaissance avec tes guides, oui, en somme. Voilà, et avec, oui, voilà. C'est les réponses qu'on a en soi qui finalement sont aidées par cet outil merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, vous allez le voir. On n'en est pas peu fiers. Vraiment, c'est pour ça qu'on est un petit peu euphorique sur cette vidéo, mais on a vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps à le faire. C'est pas que les mois ont passé sans qu'il n'y ait jamais rien eu. Tous les dessins sont des dessins originaux de Gabriel. L'oracle lui-même est une création originale. C'est pas un tarot qui a été repris hein, avec une ligne de base et puis on n'a plus que les dessins à faire. Le jeu a été créé de A à Z selon mon expérience, comme je le disais dans l'introduction, selon tout ce que j'ai pu vivre comme expérience dans la cartomancie face à des personnes en face de moi qui me demandaient du détail, qui me demandaient d'aller plus loin. Et parfois,
on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. Ce pourquoi j'ai creusé dans cet oracle toute la signification, la guidance, et que j'ai adapté les méthodes de tirage. Alors, bien sûr, il y a des méthodes de tirage que l'on retrouve pour tous les jeux, mais il y a aussi des méthodes de tirage propres à cet oracle, et c'est ça qui en fait vraiment son originalité. Oui, et puis il faut dire aussi que d'habitude, je pense, dans la plupart des oracles, l'illustrateur n'est pas vraiment impliqué au niveau du contenu. Vraiment, du contenu, on lui demande, on fait une commande, et il réalise les dessins, et puis voilà, et puis c'est tout. Alors que là, j'ai quand même vraiment essayé de mettre dans mes petits dessins quelque chose de palpable par rapport à la signification de chaque carte, et pas simplement sur on me dit juste un thème, un objet, et je le dessine, quoi. J'ai vraiment essayé d'aller voilà, plus loin. Parce que la plupart du temps, en fait, l'auteur d'un oracle va commander à un illustrateur. Enfin, même la plupart du temps, en fait, il fait une liste et c'est l'éditeur qui voit avec un illustrateur. Voilà, tu nous dessines ça avec tel symbole et puis c'est tout. Voilà. Tandis que là, en fait, Gabriel s'est laissé porter lui-même par son intuition. Il a écouté lui-même ses guides, ses petites voix, son ange. Et il a inséré lui-même des symboles que je n'avais jamais demandé, mais qui m'ont permis à moi d'avoir une intuition nouvelle sur la carte que je voulais à la base. Et du coup, c'est pour ça que c'est un oracle qui a vraiment été fait à deux. C'est un échange, voilà. C'est vraiment... Il y a eu une communication dans cet oracle, comme il y a une communication quand on est en dehors de l'oracle. Et c'est pour ça que c'est vraiment un oracle à deux âmes. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'absolu? Ah, pourquoi? Pourquoi? Voilà, c'est parce que, effectivement, selon nous, c'est le meilleur. Et, et ce n'est pas une façon de se vanter ou de présenter la chose comme ça de manière très américaine, mais c'est pour vous dire, en fait, que sur un plan subtil, il est idéal. C'est l'oracle idéal qui convient aux débutants, qui convient aux expérimentés, qui convient aux amoureux du beau, de ceux qui aiment la poésie, mais de ceux qui aiment aussi également l'art graphique. Et c'est pourquoi j'ai voulu, quand j'ai demandé à Gabriel, est-ce que ça te tenterait de faire un oracle? Je voudrais vraiment proposer quelque chose qui n'existe pas. Et qui m'a dit oui, j'ai dit, ok, on va commencer avec la première carte. Et c'est une œuvre qui existe déjà. Et c'était justement son œuvre qui s'appelle Absolu. Et qui représente deux êtres qui, dans un plan subtil, sont en accord absolument parfait et dans une pure intimité. Et à la fois dans le monde et à la fois coupé du monde. Et cet oracle représente donc vraiment l'absolu tant dans le jeu que dans les dessins de Gabriel, que dans les personnes qui ont créé l'oracle. Et quand vous allez utiliser cet oracle, bien sûr, c'est pas nous que vous aurez en tête, mais c'est la puissance, la féerie, la poésie de deux âmes qui ont donné en fait tout leur amour à cet objet. Oui, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'éléments de notre monde qu'on a, si je puis dire, cultivé depuis des années, ouais. Qu'on se connaît et qui quelque part émergent dans le graphisme des cartes. Donc ça enrichit encore un petit peu le... Voilà. Donc il y a vraiment Il y a un univers quelque part qui est commun. Il y a vraiment de nous et qui est... dans tout. Oui, voilà. Donc voilà. On a essayé de se mettre vraiment à fond. Mais ce qui est bien aussi, c'est que justement, vous avez dans le livret, on y reviendra tout à l'heure, une partie purification où vous allez pouvoir vous approprier cet oracle. Où il va devenir votre ami et où vous comprendrez quand vous l'aurez entre les mains, on vous en fait la promesse. Quand vous l'aurez entre les mains, vous allez sentir qu'il est vivant. Il a quelque chose, et je ne dis pas ça parce que c'est le nôtre, et parce que j'y ai mis un temps fou, mais vraiment parce que il y a quelque chose qui se passe. Vous allez voir, c'est un oracle qui est magique. Vous le confiez, prenez-en soin. Prenez-en bien soin, c'est très important. Donc, on va passer à la présentation des cartes, parce que je pense que vous mourrez d'envie de voir la beauté des œuvres de Gabriel et de voir comment se présente cet oracle. Alors, c'est parti.
Les âmes sœurs. Communication. Réussite. Le travail. Gestation. Évolution. Murmure. Fantasme. Passion. Enchaînement. Le voyage. Terre de feu. Abandon. La jalousie. La trahison. La distance. L'introspection. L'espoir. La manipulation. L'innocence. L'étoile. Le soleil. La lune. L'inconstance. Le retard. La souffrance. La beauté. L'indécision. La sensibilité. L'union. Le message. La mort. La quiétude. L'homme. La femme. La demeure. La progression. La stérilité. Les finances. La destruction. Le jugement. Rendez-vous. L'enfant. La rupture. L'enfer. Le trésor. Les cieux. L'ami. L'ombre. La tempérance. L'obsession. La protection. Le bouffon. Le passé. L'engagement. Le livre. La danseuse. La porte. L'imprévu. L'univers. L'air. L'eau. Le feu. La terre. Voilà pour les 64 cartes qui composent le jeu. Voilà, après donc cette présentation des cartes qui j'espère vous auront plu et vous auront touché en plein cœur, je vais vous présenter un peu le livret très rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est juste pour vous présenter un peu la table des matières, dans laquelle vous pourrez retrouver en fait des introductions, remerciements, mais également toutes les méthodes de tirage. Vous en avez plusieurs. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 méthodes de tirage. Vous avez ensuite toutes les cartes que vous pourrez retrouver donc le plus facilement du monde. Et puis, les dernières cartes éléments que vous avez vues. Pour vous présenter...
le livret, je dirais le cœur du livret, c'est-à-dire quand vous allez avoir besoin d'une carte, de voir une carte, eh bien vous aurez par exemple, vous avez tiré la carte 27 et nous voici donc à la carte La Beauté que vous avez vue tout à l'heure, qui se nomme Chrysaflore. Donc la particularité du livret, c'est que vous avez le nom de la carte que on n'a pas mis volontairement sur la carte pour ne pas gâcher l'œuvre et pour ne pas, je dirais, vous influencer directement avec le nom de la carte, pour que vous puissiez laisser travailler votre intuition, que la carte vous inspire en fait, que le personnage vous inspire. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est la carte de la beauté. Mais vous avez également le nom de l'œuvre, et le nom de l'œuvre, c'est Chrysaflore. Donc vous retrouverez toujours le nom de l'œuvre parce que, voilà. Ça rajoute un petit peu à l'univers, ça évoque toujours un petit quelque chose, donc on a tenu à... Voilà, c'est notre côté poète, on n'a pas pu s'en empêcher, et j'ai réussi à extirper quelque chose de Gabriel qu'il ne voulait pas faire au début, et j'en suis très contente, et toi aussi maintenant. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez... la description de la carte vue par l'artiste. Et ça, vous ne trouverez dans aucun autre oracle, parce que, voilà, on l'a fait de manière poétique, un petit peu comme un livre de poésie. On a voulu faire en sorte que vous puissiez vous inspirer tant au niveau poétique et donc spirituel qu'au niveau plus ésotérique, et au niveau de la guidance. Ce pourquoi Gabriel aura écrit un texte pour chacune de ces cartes, pour vous présenter la carte. Ce qui peut vous permettre de voir des choses que vous n'aurez peut-être pas vues. Oui, une mise en ambiance, c'est un peu comme un second dessin qui est en mots sous le dessin réel. Voilà, et c'est une prose toujours très... très douce et délicate selon le style gabriélien, ma foi. Mais c'est vrai que l'oracle est très axé, enfin, est très dans la douceur en tout point. En fait. Même dans le négatif. Oui, voilà. Même dans les cartes négatives. Il y a des cartes qui sont à la base, qui semblent négatives. Bon, elles ont toujours un côté positif quelque part. Mais voilà, il y a toujours le positif qui rattrape. Il y a toujours une douceur qui est omniprésente. C'est ça. Et donc, vous avez ensuite la carte. Et notes personnelles, c'est-à-dire que vous pourrez écrire ce que vous voulez ici, avec votre petit stylo. Si vous avez, par exemple, si selon vous, il manque quelque chose ici, dans les interprétations, ou que de par votre expérience, Chrysaflore, quand elle est recouverte par telle carte, ça peut donner ceci, cela, vous pouvez tout noter. C'est un livret qui est fait exprès. Ce pourquoi également, c'est un livret qui est spiralé. Non pas parce que c'était un choix esthétique ou financier, mais c'était un choix pratique pour que vous puissiez toujours garder votre livret ouvert de la sorte. Surtout quand vous êtes dans des méthodes de tirage, c'est bien pratique. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas non plus et que j'ai voulu mettre en place parce que quand j'étudie un oracle ou un tarot, ça m'énerve que les pages ne tiennent pas parce que c'est une reliure collée. Donc voilà, tout simplement pourquoi c'est une spirale. Et quand vous écrirez, vous verrez que c'est beaucoup plus pratique de vous mettre comme ça puis d'écrire votre... On sent l'expérience. On sent l'expérience, hein. Il y a des années de pratique. Ensuite, vous avez ici... un texte de guidance. Chaque carte aura sa guidance. Vous pouvez tirer juste une carte pour avoir votre guidance du jour ou votre guidance par rapport à un problème, par rapport à une demande de conseil ou quoi que ce soit. C'est moi qui ai écrit la guidance par inspiration à chaque fois. Je n'ai jamais écrit pendant que j'étais fatiguée ou stressée ou quoi. Il y a toujours eu en fait une mise en canalisation, je dirais, pour pouvoir avoir la guidance idéale qui allait avec la carte. D'où le temps d'écriture du livret. D'où le temps d'écriture du livret. Parce qu'il a fallu aussi que je le teste beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup testé cet oracle avec beaucoup de voyances que j'ai faites autour de moi. Et c'est ainsi que j'ai pu vraiment donner le meilleur dans les significations intuitives
que vous pouvez retrouver ici dans 4 domaines spécifiques. Amour, travail, santé, mais également spirituel. Chose que l'on ne retrouve pas ailleurs ou très rarement. Et il y a, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 5 cartes éléments. Et ces 5 cartes éléments sont très importantes dans le tirage parce que si elles arrivent quelque part, elles peuvent signifier quelque chose de nouveau. Et vous avez ici une petite aide nouvelle avec la carte des éléments. Donc voilà comment fonctionne le livret. Il est extrêmement complet et vous pouvez, vous voyez, vous-même faire vos propres méthodes de tirage grâce aux mots qui sont dans les 4 coins et faire votre propre interprétation en l'écrivant dans votre espace de notes personnel. Ça vous permettra vraiment en fait de vous approprier le jeu comme jamais vous vous seriez approprié un autre jeu. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par hasard par rapport à tout ce que j'ai pu dire? Non, c'est parfait. Je dois dire que tout est bien expliqué. On a fait le tour de façon parfaite. Voilà. Donc, si cet oracle vous intéresse, si vous souhaitez le posséder, l'utiliser et puis converser avec lui, eh bien, vous pourrez donc retrouver ce pack-là. Il n'est pas vendu séparément. C'est le livret et l'oracle. On ne fait pas les choses à moitié, c'est hors de question. Donc, vous pourrez retrouver le livre plus l'oracle sur angedegaia.com en précommande. Donc, il sera au prix de 49€. Donc, c'est le pack. Vous aurez uniquement pendant la précommande ce tarif-là. Ensuite, ça passera à 59€. Il y aura la signature des deux auteurs. Et bien entendu, vous aurez un exemplaire numéroté puisque ça fera partie des 500 exemplaires qu'on aura sortis spécifiquement pour être numéroté et devenir des objets collector, tout simplement. Ensuite, lorsqu'il sera hors précommande, donc à partir de la deuxième semaine de juillet, il passera à 59€. Vous aurez l'exemplaire numéroté de votre oracle et vous n'aurez pas par contre la signature des auteurs. Alors le mieux, c'est de passer par la précommande, surtout que vous ferez en plus une économie. Donc voilà. Je vous rappelle également donc que la pochette est artisanale, pochette en velours, papillon brodé thermocollant que nous avons donc repassé. Tout a été fait en fait par nos soins, nous ne sommes pas passés par un éditeur, nous sommes en auteur indépendant et fiers de l'être. Donc si vous souhaitez nous soutenir, soutenir cet oracle, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous et vraiment nous vous en serons très reconnaissants parce que je pense vraiment sincèrement du fond du cœur que cet oracle peut aider beaucoup de monde dans le conseil, dans la probabilité, etc. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Ah oui, quel honneur. Eh bien, que la poésie soit et que vraiment vous trouviez dans cet oracle des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser au cours de l'existence. Et franchement, c'est vraiment un outil exceptionnel. On dit au revoir. Au revoir. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao pour une prochaine vidéo.